7 le gourde est plus grand. Donc je ne, on va pas jouer à vous donner des choses qui ne sont pas valorisées par votre travail, donc méritées, s'il n'y a pas tous ces éléments-là qui font que derrière ce que vous avez réalisé à la valeur de ce que vous allez porter autour de la taille, vous ne l'aurez pas. Mais si vous donnez le maximum de vous, si vous essayez, si vous allez au bout des choses, il est évident que vous allez arriver à quelque chose. Vous êtes d'accord ou pas avec ça? Merci. C'est important qu'on soit d'accord ensemble, parce que c'est ensemble qu'on travaille. C'est les professeurs que nous sommes qui vous accompagnent, qui vous montreront la voie, mais si vous n'avez pas l'attention pour la suivre, cette voie, évidemment, vous restez derrière. Il y a une locomotive, il y a des wagons, et puis derrière, il y a ceux qui sont arrivés en retard et qui marquent le nom de la voie. Et qui espèrent un jour que le train ralentisse pour pouvoir monter dedans. Et puis, il y a les gens comme vous, comme vos amis là, qui sont venus aujourd'hui, qui, eux, sont montés dans le train très vite et qui, maintenant, accompagnent la locomotive, c'est-à-dire celui qui entraîne les wagons. Vous voyez, Vichy, je suis dans la baisse à aujourd'hui. Ouais, pour vous dire que je suis heureux. Et j'ai connu le train vapeur quand j'étais tout petit. C'est pour vous dire, je l'ai connu. Non, bref, juste pour vous dire, donnez le meilleur, n'hésitez pas. Si vous vous trompez, continuez. Montrez tout ce que vous savez et n'économisez rien. Allez, c'est la prise Kion. Passage de grade démarre avec une première phase qui va consister à réaliser les kions. Ce sont des techniques annoncées par le maître. Les élèves vont devoir appliquer telles qu'ils l'ont appris tout au long de cette année. Très bien. Salut. Yol. Kame, jambe gauche devant. Très bien. Taimiyachi, Otsuki, Jodan. Donc, on avance coup de poing à la tête. Ici. Non, tu montres. Je montre d'abord. D'accord? Donc si je suis là, comme vous, ça donne ça. Là. Deux. Et trois. Ich. Ni. Sa. Ikiachi en zenkutsu, gedenbarai. Donc je recule et je bloque en bas. Ich. Ni. Ça. Je suis là, Maïgiri, je pose devant. Là, pose devant. Ich. Ni. Ça. La même chose. Ich. Ni. Ça. Yes. Kamae, jambe gauche devant. Très bien. Vous allez avancer. Aimiyachi, Otsuki Jodan, sur place, Gakutsuki. Ich. Ni. Sa. Soto Deuke. Le même bras, Gedenbara. Ich. Ni. Je vais. Sans. Je vais. Aimiyachi. Maigiri. Sur place. Gakutsuki. Ich. Je. Ni. Je. Gakutsuki. Sans. Je vais. Voilà. Mawate. La même chose. Ich. Devant, Aimiyachi, sans Bontsuki. Ich, ni, sans. J'avance trois coups de poing. Un en haut, au milieu et en bas. D'accord? On commence en haut, au milieu, en bas, en avançant. Ich.
m'a aiguiri de la jambe avant. Et je pousse devant. Ich! He! He! Ni! Ah! Sans! Ah! Prenez votre temps. Je le fais ici et là. Je marque. Ich! De l'avancée. Maïgeri, Huraken, Yaku. Ich. Ni. San. Arrêtez. Yame. Yas. Allez, salut s'il vous plaît. Ah, c'est pas le même. Kamae. Shambosho. Ayumiachi, Zenkutsu, Aitsuki, Shudan. Ayumiachi, Zenkutsu, Aitsuki, Shudan. J'avance d'un pas, coup de poing au vent. Go. Kamae. Ikiachi, Shikorachi, Jodan Adeuti. Ikiachi, Shikorachi, Jodan Adeuti. Je recule d'un pas, en position du sumo, je bloque en haut. Kamae, en zenkutsu. Mawashige, les jambes arrière, je pose devant. Mawashige, les jambes arrière, je pose devant. Ikiachi Zenkutsu, Jodan Adeuke, sur place, Yaku l'équité. Ikiachi Zenkutsu, Jodan Adeuke, sur place, Yaku l'équité. Je bloque en haut, je frappe ensuite, main ouverte. En reculant. Déplacement Tsugiyashi vis-à-vis Maïgeri, je pose devant Geden Barai. C'est bravo. Déplacement Tsugiyashi vis-à-vis Maïgeri, je pose devant Geden Barai du bras avant. Déplacement pas chassé, je donne un coup de pied de la jambe avant, je pose devant, sur place, je bloque en bas. Yokogiri, jambe arrière, je pose devant. Yokogiri, jambe arrière, je pose devant. Le pied latéral de la jambe arrière, je pose devant. Présentation du kata. Nanchodon. Oui. Quand vous voulez. Thank you.
Quand vous voulez. Hey!
kata donc pour ma troisième dan. Le style est assez différent de ceux en passage de grade. D'accord ? Donc, je vais commencer. On écoute. Alors Timéo, très bonne prestation. Dans les cours, tu es sérieux, tu avances très bien. Donc on t'a nommé ceinture jaune-orange. Bon, toi c'est vrai que tu fais en général le cours, on va dire, avancé, on va dire ça comme ça. En tout cas, très bonne prestation, tu as montré quelque chose de bien, un bon kion, un bon kata, félicitations. Ceinture jaune-orange. Alors, pareil pour toi, en général tu vas souvent dans le cours un petit peu avancé. Mais tu as fait vraiment une bonne prestation sur tes kions, sur ton kata, tu connaissais super. Bien. Ah. Je disais comme ça, qu'en général, elle vient souvent dans les cours avancés. Et puis j'ai pu la voir un petit peu, effectivement, comment elle pouvait exercer. Là, tu as fait une très bonne prestation au niveau du kata, au niveau du kion. Tu as mis le punch, c'était super. Tu passes ceinture jaune-orange. Félicitations. Alors, Sarah, sérieuse dans ce que tu fais, c'est bien. Par contre, tu aimes bien un petit peu avancer vite sur les katas. Ça, par contre, il faut prendre le temps de les apprendre correctement pour bien les connaître, pas précipiter les choses. Mais bon, tu as fait quand même les choses. Dans le karaté, tu es sérieuse. Très bonne prestation. Ceinture jaune-orange. Félicitations. Dans ce que tu fais, c'est vrai, entraînement très bien. Tu mets du kimé. Tu as fait une bonne prestation. La seule chose, c'est un peu déçu. Là, je ne sais pas pourquoi, tu n'avais plus de voix aujourd'hui. Pas de kiaï. Hein ? Alors qu'habituellement, tu sais faire. Hein ? Tu as vu la œuvre. Hein ? Mais bon. Ça fait vraiment quelque chose de très bien. Donc félicitations, on t'a nommé ceinture verte. Youssouf, donc pareil, hein, tu es très sérieux. Hein. Tu es là souvent dans les stages et tout ça, tu es toujours vraiment à fond dedans. Toi aussi, tu cherches un petit peu à monter un petit peu dans les katas, mais bon, on va prendre le temps de les connaître. Okay, mais en tout cas, tu as fait un très bon travail durant toute l'année. Donc félicitations, on te passe ceinture verte bleue. Alors Noam, moi j'ai remarqué qu'il y a eu vraiment une forte progression en deuxième saison. C'est vrai que tes techniques de karaté, de kata, une grande amélioration. Tu as bien avancé de ce côté-là.
Là, tu es sur la bonne voie. Donc, continue comme ça. Donc, on t'a nommé ceinture bleu-marron. Félicitations. Alors, Kylian, c'est pareil, hein. En général, donc, des fois, t'as un petit peu foufou dans l'entraînement, mais t'arrives à te ressaisir. C'est bien. Les katas, tu les connais. Tu protèges bien. Je sais pas. Mais bon, on te donne ceinture marron. Félicitations, non, Mathéo. Là, au niveau de ta prestation, vraiment, t'as fait quelque chose de bien. Voilà, t'étais concentré. J'ai bien aimé, en fait, quand le côté est vraiment concentré dans ton catch-up, en fait, dans tes kions, continue comme ça, d'accord? La seule chose que j'ai à te dire, sur tes katas, cherche pas à aller trop haut tout de suite, faut bien apprendre l'épinal. Une fois que tu as bien l'épinal, là, tu peux bien apprendre à faire tes katas supérieurs, d'accord? Ok? Bon pour ça? Mais bon, très bon travail. Ceinture marron, félicitations. Zainel, très bon travail. Voilà. Au niveau des kions, c'est pareil, tu mets du kiné. Au niveau des katas, tu mets aussi du kiné. Après, il y a d'autres katas qu'il faudrait qu'on apprenne un peu mieux. Ok? Mais en tout cas, durant l'année, tu as fourni vraiment un très bon travail. Donc, félicitations. Ceinture marron. Lilian, bon, ça, c'est pareil. Hein. En début d'année, tu étais un petit peu bien joué, un peu tout ça. Maintenant, tu es un petit peu concentré. C'est vraiment une bonne chose. Il y a une grande amélioration sur tes katas, voire même sur tes techniques au niveau des kions. C'est vraiment un bon travail. Donc, continue comme ça. Et on ne mord pas ses copains. D'accord? Félicitations, c'est sur marron. Alors, Léo. C'est vrai que tu parles beaucoup dans les cours. Des fois, un peu moins. J'aime bien quand tu parles moins. Et quand tu te concentres un petit peu. Ok? Voilà. Mais là, tu as fait de bonnes prestations. Ça manque un tout petit peu de kiné, mais bon, tu l'as fait. Tu fais ça correctement. Ok? Et la prochaine fois, j'aimerais voir ça un peu mieux. Ok? D'accord? Allez. Félicitations, ceinture bleu-marron. Cette saison. Une saison qui est une saison comme toutes les saisons, c'est une saison qui est exceptionnelle par le parcours des jeunes au niveau de la compétition. Beaucoup de titres et pas que des petits, des titres prestigieux. On a un vice-champion du monde de karaté au Portugal pour cette année. On a une personne qui a fait troisième au championnat du monde. Ce n'est pas une petite place, croyez-moi. C'est énorme. On est parti avec deux compétiteurs. On ramène deux médailles. Noah, Aiden, tu as fait quoi toi? Deuxième. Vice-championne. Deuxième. Vice-championne de France. On en a d'autres pour ramener des médailles. Aussi au championnat de France. Troisième. Mathilde, tu as fait quoi? Deuxième combat. Plus fort, ils n'entendent pas. Deuxième en combat. En équipe. Deuxième. Voilà. Un parcours par nos élèves exceptionnel. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas un parcours toutes les saisons, c'est un parcours vraiment exceptionnel. Il ne s'est pas arrêté là. On a Abdelatif qui a passé son diplôme d'instructeur fédéral et qui l'a vraiment réussi. On attend d'avoir la suite. Ouais. La pression est bonne. Voilà. Pour ma part, j'ai passé mon sixième dan. Pardon. Du coup, qui dit sixième dan dit aussi maître de karaté. Ça veut dire quoi, tout ce que j'en ai dit? Ça veut dire que si on donne à vos enfants l'envie d'aller de l'avant, il faut servir d'exemple. On ne peut pas demander à un enfant d'aller devant et soi-même rester derrière en disant « Fais ce que je te dis, sûrement pas ce que je fais ». Non. On montre aux enfants qu'il faut aller de l'avant en y allant déjà nous-mêmes. On ne peut pas être un phare si on n'est pas allumé. Ça, c'est clair. Christian, parce qu'il a des choses à dire maintenant. Bon, alors, j'appelle Mathy. Très sérieux dans tes cours. Vraiment, j'ai trouvé une bonne progression dans tout ce que tu as pu faire. C'est-à-dire, que ce soit kata, que ce soit les combats, que ce soit en fait qu'on t'est motivé. Voilà. J'ai vu que toutes les compétitions, tu as toujours participé. Même si tu perdais, mais tu étais toujours là. Tu ressortais avec la banane. C'est vraiment super. Là, la dernière compétition, t'es monté sur le podium, tu croyais pas, mais bon, tu fais non, mais t'es monté sur le podium. Alors pour tout ça, ta prestation, tout ce que tu as pu faire, on te nomme ceinture noire. Félicitations. Bravo. Wow. Alors, Léna, tu as dit qu'on allait te manger. Pour ce qui est un petit peu des entraînements, reste là. Reste là.
pas très bien. Il me dit qu'il va manger. Manger. Au niveau des entraînements, tu es très sérieuse. Voilà. Tu as même soif, effectivement, d'apprendre deux katas supérieures que d'autres ne veulent pas faire avec ce que tu as fait. Hein, je ne sais pas si tu as retenu, mais bon, tu as fait. Tu te souviens du fait? Pas pour elle. Ouais, ça va. Ouais, mais, en tout cas, c'est toi qui t'es bien accroché. Ça, c'est bien. Voilà. Comme accroché une fois deux par rapport à certains qui ne voulaient pas les faire. Enfin bref. Enfin bref, c'est pas grave. Au niveau de la compétition, donc c'est pareil. Hein, il manquait des fois des petites choses. Mais là, j'ai vraiment, quand on a constaté que vraiment il y a une grande amélioration dans ce que tu as pu faire, dans tes katas, c'est plus dynamique, t'es vraiment, en fait, on est bien dedans. Donc on t'encourage un petit peu à rester un petit peu ce côté dynamique pour pouvoir encore mieux progresser. Voilà. Et puis tu nous as fait une prestation, même si tu n'as pas voulu faire deuxième kata tout seul, mais bon, ça, je peux comprendre, on n'avait pas prévu. Ouais, okay, j'avais déjà fait. Hein. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Allez, pour ça, on te nomme ceinture noire. Allez, encore bravo.